Salut les terriens, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Bon courage à tous ceux qui viennent de se lever, bon courage à ceux qui s'en vont au boulot, qui s'en vont en cours également. J'espère que vous êtes en pleine forme. Le réveil pique un petit peu, mais je vois qu'il y en a encore qui se sont. Enfin, je vois qu'il y en a qui se sont levés encore plus tôt que ça. Donc bah bravo à vous, c'est top pour cette journée qui, on l'espère, sera un petit peu spéciale avec ce matin le lancement de l'énorme fusée SLS qui, pour la mission Artemis 1, va emmener la capsule Orion autour de la Lune. Donc, bah écoutez, on espère que tout se passera bien. J'ai regardé un petit peu les news ce matin. Apparemment, faut que je vérifie ça. Il y aurait déjà une fuite qui a été détectée, mais ça n'a pas l'air de s'affoler non plus sur les réseaux, donc j'ai pas l'impression que ce soit que ça ait l'air si grave que ça. Je vais essayer de voir un petit peu pendant le live comment les choses évoluent. On va mettre tout de suite le live de la NASA. Je vais mettre, hop, je vais me reculer de l'écran. Est-ce que vous m'entendez bien d'ailleurs? C'est ça que j'ai pas l'habitude de faire tant de live que ça. Et donc du coup, ben voilà, je voulais m'assurer que tout était OK pour vous au niveau de l'audio. Salut tout le monde, voilà, vous êtes nombreux déjà, c'est sympa ça. 186, ouais, c'est pas mal du tout ça, dis donc. Salut tout le monde, bon petit déjeuner pour ceux qui sont en train de le prendre. Bon là actuellement le décollage est toujours prévu à 7h04 apparemment. Et je vais en profiter aussi pour à un moment donné écouter le stream de la NASA. Là, je ne l'entends pas vu que je vous l'ai mis à l'écran, mais je ne l'ai pas mis pour moi. If you're just joining us, welcome to NASA's Kennedy Space Center for live launch coverage of Artemis 1. I'm NASA's Megan Cruz and this is NASA astronaut Kayla Barron. It's been great having you these past 2 hours. It's been so awesome. Allez, je vais mettre derrière le live de la NASA également. So right now we are awaiting a new T0. The launch team had to work through some issues and they're doing a great job at working through those issues. So now we're just waiting to see a new T0. Le compte à rebours a l'air d'être toujours en cours. Does open at 1:04 a.m. Eastern time. Now today is a big deal. Apollo 17 in 1972 was the last time humans stepped foot on the moon. Ah non, il y a un arrêt. Le compte à rebours est sur pause à 10 minutes. Compte à rebours sur pause à 10 minutes. Bon bah c'est qu'ils ont réussi à faire toutes les procédures jusqu'au décollage qui est prévu à 7h04. Donc enfin la fenêtre s'ouvre à 7h04. C'est une fenêtre de 2 heures. Bon, on va voir un petit peu comment les choses évoluent. On espère quand même que ça puisse décoller dès le début de la fenêtre parce que, bon, en principe, après, bah, il faut qu'on aille bosser. Comme vous le savez, le journal de l'espace, c'est pas encore mon activité principale. Pas encore. Mais ça ne saurait tarder. Et du coup, pour l'instant, eh bien, il y a toujours un boulot à gérer derrière. Comme vous tous, comme la plupart d'entre vous en tout cas, que ce soit pour les cours ou pour le taf. Ouais, 6h36 ici, effectivement, il est 6h38 là. Pas évident de faire un live, et c'est pas évident de faire un live en plus aussitôt. Mais bon, c'est cool de vous voir et de vous voir aussi nombreux. Je pensais pas que vous serez aussi nombreux ce matin. Je me suis dit, un live à cette heure-là, bon, il va pas y avoir grand monde, on va pas prendre grand risque. Et si, vous êtes déjà 300 là, connectés, c'est incroyable. Le son est trop faible. Est-ce que c'est le son de mon micro qui est trop faible? C'est peut-être moi qui parle pas assez fort, hein. Je vais peut-être me rapprocher, je vais retirer mon filtre anti-pop, ça va peut-être aider. Et je vais rapprocher le micro. Oui, effectivement, hein, Vincent, tout est normal hein, pour le timer qui s'arrête à 10 minutes. En fait, il y a un timer qui s'est mis en place avec différentes préparations, différentes procédures, différentes étapes à réaliser jusqu'au compte à rebours final de 10 minutes. Et donc, une fois que toutes ces procédures sont réalisées, on bloque le timer. Là, effectivement, le timer est bloqué à 10 minutes. Et on le redémarrera, bah, je pense que ça va redémarrer vers 6h54, vu que la fenêtre s'ouvre vers 7h04. C'est mieux pour le son. Et bah écoute, je vais rester comme ça, Didier, vu que ça a l'air de vous convenir encore mieux. Je peux pas monter plus le son sur mon logiciel. Bon, je débute encore hein, dans les lives, donc vous m'excuserez, j'apprends encore en même temps que vous. En tout cas, ce qui est cool, c'est que ça a l'air d'aller. Je vous ai pas mis trop fort le stream du live. Dites-moi si vous le voulez plus fort ou moins fort. Pareil, c'est juste une histoire de calibrage. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Eh bien, écoute, moi, mon boulot principal aujourd'hui, c'est commercial. Je suis commercial dans la santé, donc je vends des stents, donc des petits ressorts qu'on met dans le cœur pour les gens qui ont des problèmes de cœur, tout simplement.
Ça, c'est mon job. Et donc, mon deuxième job, et ben, vous le savez, c'est YouTuber sur le journal de l'espace. Et le journal de l'espace, bon, je vous ferai une annonce plus tard, mais il y a de fortes chances que les choses évoluent prochainement. Elle décolle à quelle heure, la fusée? Ben, 7h04. Bon, la SLS, pour la petite histoire, on a fait pas mal de vidéos là-dessus, hein, sur le journal de l'espace. Des vidéos aussi bien pour expliquer un petit peu que le SLS, finalement, c'était une fusée assez ancienne, enfin, qui n'était pas au top du top au niveau de la technologie, puisqu'elle était faite, malgré tout, de pas mal de pièces détachées, de pièces récupérées d'autres programmes. La capsule Orion faisait déjà partie d'un ancien programme, qui était le programme Constellation, qui avait été initié, si je dis pas de bêtises, en 2010, bon, je sais plus exactement, mais en tout cas un programme qui a été annulé finalement et qui a été remis au goût du jour par Donald Trump pour préparer en fait Artemis pour retourner à nouveau sur la Lune. Et donc de ce programme, on a récupéré la capsule, on a récupéré également les boosters à poudre latéraux sur lesquels on a rajouté un segment supplémentaire. Donc on les a modifiés un petit peu et on les a repréparés pour utiliser là-dessus. Et enfin, on a aussi réutilisé les moteurs, les quatre moteurs qui vont pousser le réacteur principal, le réacteur central, le gros réacteur orange. Eh bien, figurez-vous que ce sont tous des moteurs qui ont déjà été utilisés, qui ont déjà fonctionné et qui ont été récupérés des navettes spatiales. Donc c'est pas tout jeune, ce sont les moteurs RS-25, donc c'est vraiment pas tout jeune. Je me suis maquillé ce matin, non, ni ce matin, ni jamais. C'est quoi épique sur cette fusée? Qu'est-ce qui est épique? Ah oui, alors ben, du coup, ce qui est épique sur cette fusée, il faut savoir quand même que c'est aujourd'hui, à ce jour, si elle vole aujourd'hui, ce sera la fusée la plus puissante du monde. C'est-à-dire que c'est celle qui aujourd'hui sera en service et qui sera la fusée la plus puissante du monde, tout simplement. Est-ce qu'il y a des risques au décollage? Bien évidemment qu'il y a des risques au décollage, vu que c'est la première fois qu'on va faire voler cette fusée. C'est pas rien, c'est quand même un monstre d'acier et de métal. Et c'est aussi la plus chère, comme l'a dit Mister Deer. Ouais, effectivement, c'est aussi l'une des fusées les plus chères du monde. Elle a coûté très très cher à produire. Bon, j'ai plus les chiffres tout en tête comme ça, mais ouais, ça a été plusieurs milliards de dollars de développement. Hein. C'est quand même costaud. Bon, du coup, comme on le disait, une fusée qui a été une fusée en kit, un petit peu, une fusée qui a fait beaucoup de récupération. Donc là, vu qu'il n'y a pas d'humain effectivement à bord de cette capsule Orion, pour cette fois-ci, c'est pas trop grave. C'est la première fois qu'on va envoyer cette fusée dans l'espace. On va tester que tout fonctionne. On va également tester que la capsule Orion soit fonctionnelle et fonctionne également correctement. Donc le programme de vol est assez simple, hein. On lance la fusée, elle va se mettre en orbite autour de la Terre, on va ensuite réaliser différentes manœuvres pour l'emmener, pour faire ce qu'on appelle une éjection translunaire, c'est-à-dire qu'on va l'envoyer vers la Lune, elle va faire le tour de la Lune plusieurs fois, enfin la capsule, hein, va faire le tour de la Lune plusieurs fois et ensuite revenir se poser sur Terre. Bon, vous le savez, hein, la Lune, on y retourne. 1969, c'était la première fois où on y a posé les pieds avec Buzz Aldrin et Neil Armstrong, notamment, plus connus, qui ont été les premiers à marcher sur notre satellite naturel. Et s'en sont suivies ensuite 5 autres missions. Enfin, il y a eu plus de missions, parce qu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas atterri sur la Lune, mais il y a eu 5 autres missions qui se sont posées en plus de Apollo 11 sur le sol lunaire. Et ça nous a fait un total de 12 personnes sur la Lune, 12 hommes, dans les années 70 jusqu'en 1972. Et depuis, on n'y est pas retourné. On n'y est pas retourné pour plusieurs raisons. À l'époque, en fait, il faut bien comprendre que lorsqu'on est allé sur la Lune, on avait une bonne raison, c'était la guerre froide. Et pendant la guerre froide, on a eu ce qu'on a appelé la course à l'espace, la course à la Lune. Et pendant toute cette course à l'espace, eh ben, les Américains, ils étaient à la bourre, ils étaient en retard. Les Russes étaient vraiment en train de gagner cette course à l'espace, puisqu'ils ont été les premiers avec Spoutnik, à envoyer Spoutnik dans l'espace. Ils ont été également les premiers à envoyer un homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore en premier? Enfin, il y a eu pas mal de succès russes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, les Américains, un petit peu piégés dans leur orgueil, avec John Fitzgerald Kennedy, ont décidé d'aller se poser sur la Lune, et ont mis en place des budgets colossaux pour ça, pour pouvoir essayer d'être les premiers à se poser sur la Lune.
La suite, bah, on la connaît, hein, 1969, comme je vous le disais, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés sur la Lune. Les Américains gagnent la course à la Lune. Et à l'époque, on se rend compte malgré tout que la Lune, c'est principalement un astre assez stérile. C'est un gros caillou sur lequel on n'a pas énormément de ressources. Pour l'instant, on n'a pas encore de toute façon le moyen de les exploiter. Et donc, en fait, la Lune, elle perd un petit peu de son intérêt. Donc, il y aura encore bien quelques missions entre deux qui seront envoyées, mais jamais des missions habitées. Plus jamais des missions habitées. Et en fait, depuis 60 ans, depuis plus de 50 ans, on a vraiment, en fait, on manque, en fait, vraiment d'une véritable raison pour aller sur la Lune. Et là, cette raison, en fait, on l'a retrouvée ces dernières années. C'est Mars, c'est la planète Mars. Aujourd'hui, la prochaine grande étape de l'exploration spatiale humaine, eh bien, ce sera d'aller se poser à la surface de Mars avec des hommes et des femmes. Et le souci, c'est que c'est quand même assez loin le voyage. Il y a minimum 6 à 8 mois à aller. Il faut rester sur place pendant 1 an. Il faut mettre à nouveau 6 à 8 mois pour revenir. Donc c'est un voyage de près de 3 ans pour des raisons particulières. Il faut que les planètes soient configurées d'une certaine manière. Et donc, faire survivre des personnes pendant plus de 3 ans pendant un tel voyage, aujourd'hui on ne sait pas encore le faire. Et on a besoin de tester des technologies, on a besoin de tester des matériels, on a besoin de mieux comprendre comment le corps réagit. Et tout ça, ça nous amène à nouveau un regard un peu plus neuf sur la Lune, parce que la Lune, c'est uniquement à 3 jours de voyage depuis la Terre, et c'est disponible quasiment tout le temps dans l'année, vu que ça tourne toujours autour de la Terre, donc c'est toujours à proximité de la Terre. Et donc, on se rend compte que la Lune, ça pourrait être une très très belle, un très très bel astre pour pouvoir tester toutes ces technologies avant de faire le grand saut vers Mars. Et donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, la Lune regagne à nouveau de l'intérêt aux yeux des Terriens. Et c'est pour ça aussi qu'on veut absolument maintenant à nouveau retourner sur la Lune, tester nos technologies, créer des bases, essayer de produire de l'électricité, de l'électricité également, de la nourriture, extraire de l'eau, parce qu'il y a de l'eau effectivement sur la Lune et il y en a aussi sur Mars, sous forme de glace, précisons bien. Donc tout ça, on va aller le tester sur la Lune pendant les 2 prochaines décennies au moins, parce que j'imagine pas qu'on aille sur Mars avant au moins 20 ans. Maintenant, c'est un chiffre que je sors de mon chapeau et c'est absolument pas quelque chose de fiable et de vérifiable là-dessus. Mais il va falloir encore créer des technologies pour la nourriture, pour l'extraction de l'eau, pour les radiations. Il va falloir se protéger des radiations et ça, c'est quand même un sacré problème aujourd'hui. Donc tout ça, on doit encore l'inventer, on doit encore le tester. Et la Lune, c'est le nouvel Eldorado pour ça. Bon, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. C'est vrai que j'ai pas encore pris beaucoup le temps de le lire, mais salut à tout le monde. Je vois je retrouve beaucoup d'habitués du Journal de l'Espace et puis beaucoup de nouveaux. Mais écoutez, ça fait plaisir. Salut tout le monde. Et j'espère que ça vous fait plaisir d'être là. Le temps, effectivement, est OK à 90% d'après la NASA. La météo a l'air bonne, donc c'est plutôt une bonne chose. On espère que les choses se maintiendront jusqu'à 7h du matin, on y est presque. J'ai pas voulu commencer trop tôt parce que... déjà, je suis pas très habitué de faire des lives, première chose. C'est pas un exercice facile, forcément. Et deuxièmement, de toute façon, à part vérifier tôt le matin que le lancement est toujours prévu, je me suis dit que c'était pas forcément intéressant de démarrer plus tôt que ça. Merci aux modérateurs, vraiment, je vois que vous êtes déjà présents, vous êtes déjà là, et c'est cool de vous avoir toujours là avec moi, les gars. Quand poseras congé pour le lancement du Starship? Écoute, c'est pas si évident, le lancement du Starship, pour l'instant, on attend encore un petit peu d'avoir plus de nouvelles. Là, vous avez vu, hier, il y a eu un tir statique à 14 Raptors. On en parle bien évidemment ce soir dans le journal de la Starbase. Et c'est cool, les choses avancent dans le bon sens. Oui, effectivement, comme tu le dis, Benjamin, la fenêtre de tir, c'est 2 heures. Elle commence à 7h04, elle devrait finir vers 9h du matin. Si jamais les choses venaient à trop durer, je suis pas sûr de pouvoir garder le live ouvert jusqu'à la fin. Pour la simple et bonne raison, comme je le disais, que après, il faut aller bosser. Et le journal de l'espace n'étant pas encore mon activité principale, j'ai moi aussi un boulot et il faut que j'aille voir des clients après. Donc, c'est pas évident de rester plus longtemps. Prendre un petit peu quelques questions s'il y en a. Vous avez beaucoup de commentaires, ça fait plaisir. Merci à tous d'être là, ça me touche beaucoup que vous soyez aussi nombreux, plus de 600 personnes en live. C'est dingue. Je m'étais dit ce matin, il n'y aura personne, mais si, vous êtes tous là.
Est-ce que j'ai pu voir la série documentaire Mars? Non, ça me parle vaguement, mais je n'ai pas vu cette série documentaire. Je suis assez peu spectateur, hein, à vrai dire. Je passe beaucoup de temps à produire des vidéos, mais je consomme assez peu de contenu à côté parce que j'ai pas le temps, tout simplement, avec mon boulot, le journal de l'espace et puis mes activités encore à côté, forcément. Ben, on n'a que 24 heures dans une journée, on a tous les mêmes 24 heures, donc c'est pas évident pour réussir à faire plus de choses. Alors, j'ai une question de Dani qui me dit « Est-ce vrai que la poussière de la Lune est un problème pour le retour sur la Lune à cause de l'abrasion des habits d'astronautes ?» Alors, ça c'est une bonne question, Dani. En fait, quand on est allé sur la Lune, bon, on s'en était déjà rendu plus ou moins compte avant, mais quand on est allé sur la Lune, on s'est rendu compte que le régolithe qui est la poussière lunaire, cette petite poussière grise assez connue, eh bien il est extrêmement abrasif, extrêmement tranchant. En fait, c'est assez simple à expliquer par rapport à la Terre. Quand vous avez des roches qui sont à la surface de l'air, sur Terre, elles sont en contact avec de l'eau, elles sont en contact avec l'air, et donc petit à petit, tous les coins tranchants de cette roche vont venir un petit peu s'user avec le temps, s'arrondir, se polir, et donc on n'a pas de roches très tranchantes, hormis celles qui viennent d'être créées, peut-être par exemple avec un choc ou autre, on n'a pas de roches très tranchantes. Par contre sur la Lune, eh ben, on n'a pas d'atmosphère, on n'a pas d'eau liquide à la surface qui vient, on n'a pas de pluie, et donc on n'a rien de tout ça qui vient abraser les roches. Et donc à force d'être pilonné par les météorites au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires même, eh bien la Lune a énormément de petites roches qui se sont cassées, qui se sont projetées et qui sont restées ultra tranchantes et qui ne se sont jamais usées. Elles sont toujours restées aussi tranchantes qu'elles l'étaient au départ. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ce fameux régolithe, cette minuscule poussière, est extrêmement tranchante et vient effectivement à poser quelques problèmes, en tout cas hein, pendant les missions Apollo, vu qu'elle colle, elle colle énormément aux vêtements et elle est très agressive et pour les yeux des astronautes, pour les poumons des astronautes. Et donc oui, effectivement, aujourd'hui, il faut prévoir des combinaisons spatiales qui puissent résister à ce régolithe lunaire très, très 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 dangereux. Pourquoi c'est bloqué, Cumis? C'est normal, le compte à rebours est bloqué à 10 minutes, c'est normal. En fait, tous les tests avant ces 10 minutes ont été réalisés et donc la NASA a bloqué le décompte à 10 minutes, c'est-à-dire qu'il devrait bientôt reprendre la NASA a bloqué le compteur à 10 minutes en prévision du décompte final. Apparemment, pour le moment, tout a l'air ok. Je disais tout à l'heure, il y avait une fuite, mais je n'ai pas plus d'infos à ce sujet, donc peut-être que ça n'était pas une info fiable. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre d'infos pour ceux qui suivent les choses avec attention. Je regarde en même temps. Alors, une source d'information géniale pour toutes ces news, même s'il faut faire le tri, ça reste Twitter. Bon, Twitter très controversé en ce moment, on va pas en parler. Mais sur Twitter, c'est cool, c'est qu'on va passer les news très rapidement. Tout le monde est assez réactif là-dessus, donc moi, je me renseigne pas mal là-dessus. Ça doit reprendre à 6h55 du coup. Bah oui, probablement, amazing. Combien de tonnes de combustible à la seconde une fusée comme Artemis peut-elle consommer? Alors écoute, là, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse et c'est une très très bonne question. Très très bonne question. J'avais un tableau des coûts, je vais vous le mettre à l'écran. Un tableau des coûts qui a représenté la création d'Artemis. Je vais me reculer, hop, je vais me retirer même de l'écran. Hop là. Donc j'ai mis ici à l'écran en fait un tableau des coûts en millions de dollars ici hein, pour ce programme qui est assez colossal. Et 92 000 millions de dollars, ça fait quoi? Ça fait 92 milliards du coup de dollars. Ouais, c'est ça, 92 milliards de dollars déjà hein, qui ont été dépensés pour ce programme. C'est quand même une somme assez conséquente. Mais encore une fois, hein, pour tous ceux qui disent qu'effectivement le spatial ça coûte cher, faut bien mettre ça en perspective à côté d'autres choses. Ça, c'est sur plusieurs années. Et notamment, si on le compare par exemple au budget militaire américain qui est de plus de 1000 milliards de dollars par an, bon, effectivement ça représente beaucoup moins, c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant. Le SLS n'est pas fait pour être réutilisable, effectivement. Non, le SLS c'est une fusée à usage unique, c'est une fusée jetable si je puis dire. Parce que les moteurs n'ont pas été prévus pour être rallumés, les moteurs n'ont pas été prévus pour revenir sur Terre tout simplement, hein. Donc non, c'est du one shot. Ce sont, comme je le disais tout à l'heure, hein, ce sont les moteurs RS-25, ce sont les moteurs qu'on utilisait sur les navettes spatiales américaines.
Et d'ailleurs, les quatre moteurs sont récupérés de missions, d'anciennes missions de navettes spatiales. Donc, c'est du kit. La SLS pour Artemis 1, c'est du kit. Je vais retirer ce tableau. Hop, voilà. Bon, je vais mettre également le casque. Comme ça me permettra d'entendre aussi des informations sympathiques sur le live. Ah bah non, je peux pas le mettre, sinon vous n'allez plus entendre, vous allez entendre ça en doublon. Je vais le mettre différemment. Bon, écoutez, c'est pas grave, aujourd'hui, c'est un live improvisé un petit peu, je me suis décidé hier à le faire. Donc on va faire avec les moyens du bord. Est-ce qu'ils vont refaire des RS-25? De toute façon, oui, il y aura des RS-25 qui vont être recréés pour les futures missions, vu que... il y en aura encore quelques-unes, hein. Il y aura encore au moins 5 autres missions après celle-ci, au moins. Donc, ça va être à nouveau, il va y avoir à nouveau des créations de moteurs. Ça reste beaucoup trop cher comparé au Starship de SpaceX. Ben après, tout est relatif, hein, Amazing. Alors oui, c'est cher, c'est évident. Maintenant, faut pas oublier une chose, c'est que la SLS, elle est quand même sur le pad, là, aujourd'hui, prête à voler. On verra si elle va décoller aujourd'hui. Ce qui n'est pas encore le cas du Starship. Le Starship, pour l'instant, c'est encore, il faut l'admettre, hein, c'est encore un gros réservoir, une grosse boîte de conserve avec des moteurs. Et rien de plus. Et rien de plus. Donc il y a encore énormément de travail à réaliser sur le Starship. C'est un programme qui est passionnant, mais il va y avoir énormément d'évolution là-dessus, vu que même quand j'avais fait un épisode là-dessus il y a quelques mois déjà, le Starship en soi, le vaisseau Starship que l'on voit aujourd'hui, il n'est absolument pas adapté pour la Lune. C'est absolument pas... Enfin, moi, je n'imagine pas le Starship, dans l'état actuel des choses, comme il est, se poser sur la Lune. Il va y avoir énormément de modifications dessus, parce que c'est pas du tout fait pour. Donc, on est encore très très loin de voir ce fameux Starship HLS, hein, dont on parle depuis pas mal de temps, se poser à la surface de notre satellite. Alors, une fuite d'hydrogène ultra-inflammable a été détectée au pied de la fusée. Une équipe de techniciens a dû être envoyée sur le pas de tir. Eh ben, merci The Red Off. Écoute, j'espère que cette information est fiable. Et par contre, j'espère surtout qu'elle va être résolue. Alors, que signifie Artemis? Eh ben, en fait, Artemis, c'est pas un anagramme. Artemis, il faut savoir que, dans la mythologie, c'était la déesse de la chasse, si je dis pas de bêtises. Et en fait, Artemis, elle avait un jumeau, Apollon. Et Apollon, bah forcément, vous faites le lien avec le petit jeu d'histoire, entre guillemets, qu'a voulu faire la NASA, pour faire le lien avec ses missions Apollo, puisqu'Artemis étant le jumeau d'Apollon, et bien voilà pourquoi aujourd'hui on a les missions Artemis, tout simplement. La déesse de la chaise. Pourquoi la déesse de la chaise? Alors ouais, merci Aventes, effectivement je peux muter une sortie, mais là ça veut dire que je vais devoir muter la sortie stream que je vous partage. Je vais ensuite devoir mettre en route le live que j'ai à l'écran dans les oreilles pour vous partager aussi ce son-là, donc ça va pas être si évident que ça. Enfin, ça va pas être si évident, si, c'est vrai qu'on peut faire comme ça, hein, dans le pire des cas. Mais comme je suis pas encore très habitué avec les lives, je vais rester concentré sur, pour l'instant, ce que j'arrive à faire, et on verra après, en prenant de l'expérience sur ce type de format, pour avoir d'autres choses qui... Enfin, d'autres projets. Par exemple, j'avais notamment l'intention d'inviter quelques personnes sur ce live. J'avais déjà quelques projets de personnes à inviter autres que le Journal de l'Espace, en plus de mon équipe également. Et donc, eh bien, on va y aller doucement. On va y aller doucement pour les lives. À quelle heure est prévu le décollage? À 7h04, Claude, pour l'ouverture de la fenêtre, ce qui est une fenêtre quand même de 2 heures. Le son est un peu faible, alors là malheureusement je pourrais pas faire grand chose de plus parce que mon micro est au max alors moi j'utilise Streamlabs comme logiciel, mais c'est la même chose qu'OBS. Je regarde un petit peu si je peux pas monter le son directement sur Windows, mais non, apparemment non. Pour moi, le son de mon micro est au maximum. Alors par contre, peut-être que tu parles du son du stream lui-même. Pas du stream, moi aussi, du stream que je rediffuse, là, du stream de la NASA. Là, ça par contre, je peux le monter, mais j'ai pas envie de trop le monter, parce que sinon après, vous allez en avoir plein les oreilles, et comme je le disais, 7h du matin, on va commencer en douceur, on va éviter de se faire du mal. Le son est bon pour les autres. Bon, tu vois, apparemment, tu as peut-être un petit souci de son, personne qui posait la question. Est-ce qu'on peut voir passer la fusée depuis la Martinique? Alors, la fusée va partir vers l'est, de toute façon. Il y a des chances que tu puisses la voir au niveau du sud, hein, quand même. Même si elle décolle de la Floride, donc elle va partir vers l'Est. Ouais, si, il y a des chances quand même que tu puisses la voir, hein, assez succinctement au niveau... Ah non, je dis des bêtises, au nord, pas au sud.
au nord de la Martinique. Alors non, amazing, hein, le Starship n'est absolument pas pensé pour s'adapter à tout. Ça, c'est ce qu'on... Ça, attention, c'est de la communication. Le Starship, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, c'est un gros cargo. Il va être prévu, la première version du Starship n'est absolument pas prévue pour aller pour y mettre des humains à bord. Elle est prévue pour envoyer des lourdes charges en orbite terrestre basse, et donc notamment pour envoyer des Starlink. La deuxième génération de Starlink, les Starlink V2, qui devrait être mis en place bientôt, eh bien, c'est notamment le Starship qui est censé l'envoyer dans l'espace. Donc c'est pour ça aussi que le programme Starship est pour l'instant énormément mis en avant par SpaceX, c'est uniquement pour les Starlink. Et après seulement, on va créer des Starships un petit peu différents, avec des modules habitables, pour pouvoir ensuite espérer aller sur la Lune. Mais la version du Starship, la forme du Starship risque d'évoluer énormément. Alors, une heure de retard apparemment. Bah, bon, j'espère que non, on va voir un petit peu. Je vais voir un petit peu les news. Toujours prévu à 7h04. Non. Si vous avez des je sais pas si vous pouvez mettre des liens. Est-ce que vous avez essayé de mettre des liens? Je pense pas. Je pense que la modération automatique interdit de mettre des liens. Mais si vous avez des infos où effectivement vous pouvez où ça me permettrait effectivement d'aller vérifier les commentaires et donc de vérifier si effectivement il y a des news au niveau du lancement, je suis preneur de tout ça. Alors, apparemment effectivement trop de tâches à terminer et donc ce serait étonnant que le lancement ait lieu en tout début de période, donc à 7h04. J'attends de voir un petit peu, là ils ont retiré le timer, c'est pas bon signe. Launch retardé un petit peu, toc toc toc. Bon, ouais, non, effectivement, il y aurait peut-être un léger report sur le timing, donc on va voir un petit peu, de toute façon on a 2 heures hein, pour ce lancement. Donc on espère que pendant les 2 heures qui vont arriver, là, oui, effectivement, ça y est, la fenêtre ouvre. Et donc j'espère que pendant ces 2 heures, on aura le lancement. Merci Chameau, merci beaucoup pour ton don. Je vais lire ton message, je m'y attendais pas un direct aujourd'hui, mais très bon travail chez moi, il est 2h du matin au Nouveau-Brunswick. Et nous on est les couche-tôt, les lève-tôt pardon, et là il y a les couche-tards effectivement au Canada, donc salut à tous nos amis canadiens et québécois, ça fait plaisir de vous voir aussi sur le journal de l'espace. Il faut savoir qu'il est visionné par à peu près 70% de Français, et la langue française s'étant exportée dans pas mal d'autres pays, et le Canada est le deuxième plus gros spectateur du journal de l'espace avec quasiment 15% d'audience. On a ensuite nos amis belges, tout près de chez moi, vu que moi je suis du nord de la France, nos amis belges et nos amis suisses, qui sont également très, très actifs. Donc merci à vous tous. Salut de Québec, effectivement, on voit les Québécois, ils sont là, ils sont courageux à 2h du matin, mais ils sont là. Et puis après, le journal de l'espace, il est visionné depuis vraiment partout dans le monde, mais dans des petites proportions. On a le Maghreb qui, effectivement, regarde aussi pas mal le journal de l'espace. Et puis, quelques pays d'Afrique. Donc, salut à tout le monde là-bas, sur ce continent. Ça fait plaisir. La Belgique en force, salut Maghreb. On a des gens du monde entier. Donc, c'est incroyable de pouvoir réunir tout le monde sur une seule et même... Et même émission, c'est vraiment cool. 1200 spectateurs, mais bon sang les gens, vous... je pensais que vous alliez être une poignée ce matin, mais non, 1200 spectateurs en même temps, là en ce moment, c'est impressionnant. Je suis vraiment touché que vous soyez là sur le live du Journal de l'Espace pour un live un petit peu de test, hein, parce que comme je le disais, je suis pas habitué au live, mais ça me touche que vous soyez aussi nombreux, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc l'émission Artemis, on peut en parler un petit peu, hein, pour rappel, pour tous ceux qui n'ont plus les choses en tête. Artemis 1... Aujourd'hui, et on l'espère uniquement aujourd'hui parce que ça voudra dire que la fusée a décollé,
Eh bien, c'est une mission sans équipage où on va faire décoller cette fusée à vide avec la capsule Orion à bord pour tester tout ce matériel, vérifier que tout est fonctionnel pour les prochaines missions à venir. On va aller autour de la Lune avec la capsule et on va revenir se poser sur Terre. Donc une mission classique. Artemis 2, alors Artemis 2 à la base c'était prévu. Oh, c'est quoi ce petit message épinglé? Rendez-vous à partir de 22h45. Non, ça c'était le c'était le dernier. Ça c'était le dernier live. Donc Artemis 2, on va aller autour de la Lune toujours, mais cette fois-ci avec un équipage. Il va y avoir un équipage à bord d'Artemis 2. Et on va refaire le même trajet qu'Artemis 1, mais on ne va pas se poser sur la Lune. Ça sera encore à nouveau une mission de préparation à Artemis 3, où là, effectivement, on va aller se poser. Artemis 2, on n'a pas encore le calendrier officiel, vu que de toute façon, c'est toujours plus ou moins retardé, et c'est toujours fonction des missions précédentes. Artemis 2, à la base, c'était prévu en 2024. Là, il y a quand même de fortes chances que ça se décale vers 2025-2026, pour ensuite laisser la place à Artemis 3. Et Artemis 3, par contre, là, c'est vraiment la mission qu'on va, je pense, qu'on va tous être derrière nos écrans. Ça va être un truc de dingue. Ça va être le moment où on va à nouveau se poser sur la Lune avec un homme, mais aussi également une femme. Ça va être la première fois où on va envoyer une femme sur la Lune. Donc, on ne sait pas encore qui seront les heureux élus hein, pour se poser à la surface, pour se reposer à la surface de notre satellite. Et donc, voilà, ça va être une très très belle aventure et on a très hâte de vivre ça. Mais on est quand même en attendant super content de pouvoir déjà assister à ce premier décollage en espérant que tout fonctionne. Non, non, c'est pas ce soir le lancement, hein, Evan. C'est moi qui avait laissé un vieux message pour. J'avais déjà essayé de faire un live il y a plusieurs. Au mois de septembre pour le lancement qui était prévu au départ, mais qui a été retardé à de nombreuses reprises. Donc c'était juste un vieux message. Normalement, le lancement c'est bien ce matin pendant cette fenêtre de 2 heures qui vient de s'ouvrir. Donc dans les 2 heures, on espère pouvoir voir ce monstre décoller. Ça va être, s'il décolle, ce sera la fusée la plus puissante du monde à aujourd'hui. En activité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de charge utile sur Artemis 1? Alors, si, de mémoire, il y a quand même... il y a une charge utile, forcément, c'est la capsule. La capsule en elle-même, c'est la charge utile. Et à bord, il est possible qu'il y ait quelques expériences qui soient automatiquement réalisées. Donc, si, il y a une charge utile. Pour aller se reproduire. Non, il n'y a pas de risque, on n'en est pas là. Il manque juste l'intervention de Thomas. Ouais, effectivement, Thomas Pesquet, on aimerait beaucoup l'avoir sur la chaîne. On va essayer de travailler sur ça l'année prochaine, j'aimerais bien, 2023, essayer de proposer à Thomas de passer sur le Journal de l'Espace. C'est très ambitieux, hein, on ne va pas se mentir. Parce que Thomas, lui, il passe effectivement sur les grandes chaînes télé, sur les grands plateaux d'émissions. Et donc, pour l'instant, je pense qu'on est encore un petit peu petit, mais voilà, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Et l'année prochaine, on va essayer d'y travailler à plein pot. Alors pourquoi il y a un hold? Pour l'instant, apparemment, les tâches autour de la fusée ne sont pas terminées. Pour l'instant, il y a un hold. Enfin, il y a un hold. Pour l'instant, la fenêtre vient juste de démarrer, donc on n'est pas encore à la bourre là-dessus. Mais on n'aura pas un lancement là, apparemment, tout de suite. Ça va peut-être prendre... une demi-heure à 1 heure avant qu'on ait le décollage final. Donc on attend d'en savoir plus là-dessus. Thomas finira par passer sur la chaîne, oui, j'espère. Apparemment, le décollage serait prévu d'ici 5 à 10 minutes. Alors, oui et non, on attend d'en savoir plus. Normalement, le compte à rebours, de toute façon, devrait se relancer. Hein. On avait un compte à rebours bloqué à 10 minutes. Donc, tant qu'on n'a pas ce compte à rebours à l'écran qui se relance, effectivement, pour l'instant, on est en stand-by, on est en attente d'en savoir un peu plus. Je vous dis, je réactualise régulièrement le téléphone avec ma belle coque du Journal de l'Espace. Ah, vous ne le voyez pas. J'ai un logiciel automatique pour retirer le fond derrière moi. Et du coup, ça cache un petit peu tout. Elle est maudite cette fusée, pas autant que le Starliner. Pour moi, le vaisseau maudit, pour moi, ça reste le Starliner de Boeing. Ça fait combien d'émissions où à chaque fois on annonce des reports, à chaque fois on voit que le vaisseau n'est pas prêt, qu'il a des problèmes. Alors j'aime pas taper sur taper sur une fusée, mais là quand même, c'est pas une fusée, c'est un vaisseau, mais le Starliner, franchement, lui, il est maudit. Mets le téléphone devant toi, on va le voir si je le mets là. Ah oui, vous voyez, mon petit photocollage que j'avais fait. C'est pas bien, je fais pas de pub aujourd'hui, mais on fait une sponsor RhinoShield la semaine prochaine. Hein, donc c'était ça, c'est du RhinoShield. Bref.
Bon, c'est pas une sponsor, bien évidemment, aujourd'hui. Si tu veux, sur Apollo 11, ils sont repartis grâce à un bouchon de stylo. Alors, ouais, une histoire qui raconte qu'effectivement, il y avait eu un bouton qui était cassé sur la mission Apollo 11 pour la faire redécoller. Et ce bouton étant cassé, il a fallu aller appuyer sur un détecteur, en fait, au niveau de la capsule, très bas, assez profond. Et donc, ils ont utilisé un bouchon de stylo pour aller appuyer sur ce fameux bouton. Pourquoi les pièces sont oranges à certaines places ? Écoute, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'elles sont oranges ? J'en ai pas la moindre idée. Bah écoute, si jamais vous avez des informations sur pourquoi est-ce qu'on utilise cette couleur sur le réservoir, écoutez, on est preneur. Il faut savoir aussi que le réservoir, même si la texture, enfin la manière de le créer a été réinventée, le réservoir, c'est aussi une réutilisation pour ces missions. C'est aussi une technologie qui avait déjà été utilisée mais améliorée pour les navettes. C'est la couleur de l'isolant. Bah écoute, c'est une bonne question. C'est la couleur de la mousse isolante. Bah apparemment, vous êtes plusieurs à me dire couverture isolante, revêtement thermique. Donc bah voilà, écoutez, c'est peut-être juste une couleur naturelle pour cette couverture. Donc c'est vraiment... C'est top, vous êtes déjà bien au courant de tout ça. C'est le revêtement du réservoir pour le protéger. Et bah voilà, comme ça tu as la réponse. Merci à tous. Vous voyez, c'est cool aussi là-dessus, parce que forcément, c'est vrai que pour information, quand j'ai démarré le journal de l'espace il y a 3 ans, je ne suis pas issu du domaine spatial à la base. Moi, j'ai fait des études scientifiques, mais de biologie et de géologie, donc rien à voir avec ça. Et après, d'ailleurs, j'ai terminé commercial. Comme vous le savez, je suis commercial à côté. Du coup, le spatial, à la base, c'est pas vraiment... c'est pas ma spécialité. J'aime beaucoup la science en général, et le spatial aussi. Mais quand je me suis lancé là-dedans, forcément, je n'avais pas toutes ces connaissances. Et c'est à force de faire des vidéos, et c'est à force aussi d'échanger avec la communauté, qu'on apprend. On emmagasine énormément d'informations, et on a toujours énormément de choses à apprendre. Donc c'est cool de voir ce partage dans les commentaires, parce que c'est vraiment en échangeant tous ensemble qu'on en apprend tous les jours. Et ça, c'est cool de pouvoir apprendre des choses tous les jours. C'est vraiment une bonne chose. FS, je te suis depuis les débuts. Écoute, c'est cool. Merci FS. Merci à tous. Merci à tous les anciens abonnés. Merci beaucoup également à tous les nouveaux, c'est top. Vous grandissez, vous faites grandir cette chaîne chaque jour. Aujourd'hui, on est à bientôt 166 000 abonnés, je crois. Donc, je regarde plus toujours. On est déjà à 166 000. C'est vraiment top. La chaîne, vraiment, aujourd'hui, est en pleine explosion. En pleine explosion, ça stagne un petit peu en ce moment, je trouve. Mais c'est une période, c'est par période. Et donc, c'est vraiment cool de voir comment les choses évoluent. Journal de l'espace devrait, je l'espère, bientôt devenir mon activité principale. Et ça, c'est juste dingue. S'il y a 3 ans, on m'avait dit que ça pourrait devenir mon activité principale, j'aurais éclaté de rire. J'aurais dit, non, c'est pas possible, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et en fait, non, c'est possible. Donc, vraiment, merci à tous pour ça, c'est juste top. Allez, je vais essayer de prendre quelques-unes de vos questions en attendant, vu qu'on n'a pas encore de nouvelles. Ils disent quoi ? Écoute, pour l'instant, ce qu'ils disent, c'est que c'est toujours en hold. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Quel est ton pronostic ? Quel est mon pronostic ? Écoute, je pense que ça vaut autant que le pronostic de Monsieur Tout le Monde, j'ai envie de dire, mon pronostic, donc ça ne vaut rien. Mais, on a déjà eu quelques petits soucis ce matin, on voit que là, il ne lance pas dès le début de la fenêtre. Allez, on va dire 50% de chance de lancement. On a une bonne météo, ça c'est cool, donc ce ne sera pas un problème météo aujourd'hui. Mais comme le SLS, comme j'expliquais, c'est quand même une fusée en kit, il y a toujours des potentiels problèmes qui peuvent arriver. Et pour moi, je pense qu'on va avoir il y a 50% de chances que ça se lance, 50% de chances que ça ne se lance pas. Salut Lego Rocket Collection. Alors si vous aimez les Lego, j'en profite pour vous parler de Lego Rocket Collection, Nicolas, qui en a fait son activité principale aussi. Il crée énormément de modèles de fusées, de modèles de bases de lancement, tout ça en Lego. Et pour moi, qui étais un grand passionné de Lego à mon enfance, ça me fait toujours plaisir de suivre Lego Rocket Collection. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Les deux boosters blancs, effectivement, ça vient des navettes. J'ai vu passer ce commentaire, il a disparu de mon écran, mais effectivement, donc je ne sais plus qui c'était, mais effectivement, les deux boosters latéraux, les boosters à poudre, viennent directement des navettes spatiales, et ces boosters ont été agrandis, en fait. À l'époque, il y a plusieurs segments sur ces boosters, et donc pour le SLS, on a agrandi ces boosters avec un segment supplémentaire pour mettre toujours plus de poudre, et donc d'avoir une poussée toujours plus longue. Sur ça. À l'écran, on voit quelque chose de sympa. On voit la trajectoire qui sera prise par
la fusée SLS aujourd'hui, si elle décolle, donc avec un décollage en bleu, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, en bleu, où on va effectivement d'abord se mettre en orbite terrestre pour ensuite donner un peu plus de propulsion et faire ce qu'on appelle l'injection translunaire pour aller se diriger vers la Lune. On va faire un tour, enfin on va faire plusieurs tours autour de la Lune et ensuite revenir sur Terre. Par la même procédure, on va à nouveau remettre un petit peu de les gaz pour s'éjecter de l'orbite lunaire. Donc j'ai pas précisé, mais arriver autour de la Lune, il est possible aussi qu'on va devoir ralentir un petit peu. Alors ouais, effectivement, hein, François, merci à l'équipe également du Journal de l'Espace. Hein. C'est vrai qu'en 3 ans, le Journal de l'Espace a bien évolué grâce à vous. Et aujourd'hui, le Journal de l'Espace, c'est une petite équipe. Hein. J'ai 2 monteurs, 2 rédacteurs et une community manager. Et donc, c'est pas des personnes qui travaillent à temps plein, hein. Ce sont des missions. Mais j'ai 5 personnes hein, avec moi sur le Journal de l'Espace. Je les avais présentées d'ailleurs dans une vidéo du mercredi sur un journal de la Starbase, parce que j'avais eu plusieurs fois la question qui me demandait de présenter l'équipe. Et donc j'ai présenté l'équipe sur cette vidéo avec le vendredi, on a Jean-Philippe à la rédaction et David au montage. Le mercredi, j'ai Mathias à la rédaction et Thomas au montage. Et les émissions du lundi, j'ai Thomas et Thomas. Donc c'est toujours le même Thomas qui fait à la fois la rédaction et le montage des émissions du lundi. Et donc, ils m'aident beaucoup là-dessus. Donc, merci à toute l'équipe. Et puis, bien sûr, j'ai oublié Adèle, Community Manager, qui m'aide sur toute la partie Instagram, TikTok. Parce que moi, le Journal de l'Espace, c'est aussi sur TikTok. Je me suis dit que si jamais un jour YouTube avait un problème, ce serait bien d'avoir déjà une petite communauté sur ces réseaux-là. Et donc, voilà, quand vous interagissez sur Instagram et TikTok, et tout ce que vous voyez, c'est Adèle qui crée le contenu. Donc, merci Adèle. Puis à côté, il y a toutes les petites mains. Il y a, bien évidemment, j'ai mon frère qui m'aide sur la partie plus informatique quand j'en ai besoin. Il y a ma compagne sur la partie juridique qui m'aide sur pour faire en sorte que le Journal de l'Espace, qui est une entreprise, maintenant une petite entreprise, se développe correctement et sainement pour pouvoir faire perdurer l'histoire le plus longtemps possible, surtout. Si un Thomas dans l'équipe, Thomas Pesquet ne sera pas perdu. Oui, le jour viendra, j'espère. Bon courage à tous ceux qui s'en vont travailler. Je comprends que malheureusement, vous deviez partir pour le travail ou pour les cours. Donc bon courage à tout le monde. C'est pas évident. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de se connecter. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez là. Penses-tu qu'il existe de la vie dans d'autres galaxies? Ah, Claude de Rio de Janeiro. Tu es un couche-tard aussi, je pense, parce que je ne sais pas quelle heure il est à Rio de Janeiro, mais il ne doit pas être très tôt non plus. Alors, est-ce qu'il y a de la vie dans une autre galaxie? Moi, j'en suis intimement persuadé que la vie existe ailleurs que sur Terre. Parce que pour moi, en fait, quand on regarde bien l'univers, la taille de l'univers, c'est colossal. C'est inimaginable comment l'univers est grand. Il y a des milliards de milliards de milliards d'étoiles, et donc des milliards et des milliards de potentielles planètes. Donc à un moment donné, je me dis, si on a réussi, nous, à avoir de la vie en plus intelligente comme on l'a aujourd'hui sur Terre, il y a forcément des endroits où la vie va se développer. Elle ne sera pas forcément aussi intelligente, hein. Elle sera peut-être juste une vie microbienne, une vie bactérienne, mais peu importe, je pense qu'on aura forcément de la vie ailleurs que sur Terre. Et je pense même qu'on pourrait en trouver sur... rien que dans notre système solaire, on serait capable de trouver de la vie. C'est pour ça, hein, d'ailleurs, qu'on envoie les rovers sur Mars. Ils sont aussi à la recherche de traces d'une vie passée, parce qu'on estime que sur Mars, la planète... à l'époque, avait des conditions bien plus abordables qu'aujourd'hui. On avait de l'eau liquide à la surface de Mars, on avait des conditions qui étaient meilleures, et donc tout ce qu'il nous fallait pour faire apparaître la vie sur Terre. Donc, même si aujourd'hui on a plus ces conditions-là, vu que Mars a perdu son atmosphère, une partie de son atmosphère en tout cas, elle a été transformée en glace et elle s'est enfouie un petit peu. Donc même si aujourd'hui on n'a plus les mêmes conditions sur Mars, on a bon espoir de trouver des traces d'une vie passée. Sur cette planète. Mais je suis même pas sûr que ce soit vraiment sur cet astre où on a le plus de chances de trouver de la vie. On a certaines lunes de Jupiter et de Saturne sur lesquelles on a bon espoir aussi de trouver de la vie. On a Encelade, par exemple, avec ses océans souterrains. On a peut-être Titan également, hein, avec ses lacs de méthane sur lesquels on pourrait trouver de la vie. Donc voilà, c'est on l'espère, des missions pour les décennies à venir qui,
qui iront chercher après ces éléments. Donc on croise les doigts, ça va être quand même l'une des découvertes les plus incroyables de ce siècle. Le jour où on découvrira de la vie, ça va être une véritable bombe, une véritable explosion, ce sera incroyable. Ouais, effectivement, Benjamin, sur Encelade, il pense qu'il y a de la vie sous la glace. C'est effectivement le cas. Il y a Europe, effectivement, comme tu le dis, Rémi, hein. Europe reste aussi une très bonne candidate à l'apparition de la vie. Alors, Lancelot, elle décolle quand la fusée? Bah, écoute, on est dans la fenêtre de tir. La fenêtre de tir, c'était de 7h ce matin jusqu'à 9h. Donc, pour l'instant, on est toujours dans la fenêtre, mais on est toujours en hold pour l'instant, en stand-by, pour le temps que les dernières étapes de vérification se fassent. On a eu apparemment une petite fuite ce matin, d'après les informations que j'ai eues. Donc, ils étaient en train de résoudre ça. C'était quoi ta question, Jean-Luc? Désolé, hein, je vois passer tellement de questions, j'ai vraiment du mal à tout suivre. Vous êtes plus de 1300 là actuellement sur le chat. Et donc, effectivement, j'arrive pas à voir tous vos commentaires. Hein. Je suis désolé là-dessus, je suis pas encore un grand habitué des lives, donc je fais ce que je peux. Alors, Jean-Luc avait une question, c'est toujours Nokia qui va installer la 4G sur la Lune. Alors ouais, il y avait eu un projet effectivement de téléphonie sur la Lune. Enfin, c'est pas la téléphonie, c'est plus pour avoir une connexion en fait Internet sur la Lune. Mais je ne sais pas où ça en est. On a déjà aujourd'hui, on va utiliser des satellites hein, pour communiquer avec nos astronautes. C'était déjà le cas aux missions Apollo, c'est toujours le cas aujourd'hui par exemple sur l'ISS. Donc on a différents moyens hein, pour communiquer avec nos astronautes. Et je ne sais plus quelle entreprise va effectivement permettre à nos astronautes de communiquer avec nous. Alors ouais, comme tu le dis, Bastien, effectivement, il y a des missions qui ont exploré des comètes aussi pour chercher les briques élémentaires de la vie. Ce sont les premières molécules qui sont nécessaires pour faire apparaître la vie. Et on les a détectées sur des comètes. On a aussi détecté tout ça hein, sur les astéroïdes hein, qu'on peut aller voir. Donc on a pas mal d'éléments qui sont quand même en faveur du fait que la vie peut se développer partout. Elle se développerait de façon naturelle. Maintenant, voilà, il faut des très bonnes conditions. Et ces conditions, bah, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à déterminer exactement ce qu'il fallait pour que ça apparaisse. Et on n'a pas encore réussi à trouver, pour l'instant, un endroit précis où c'est apparu. Mais je suis certain que, de mon vivant, on aura l'opportunité de faire cette découverte. Est-ce que je connais la série For All Mankind? Alors ouais, j'ai regardé uniquement la saison 1, parce que comme je le disais tout à l'heure, bah, vu que j'ai deux boulots, enfin j'ai mon boulot principal, j'ai le journal de l'espace, j'ai encore mes autres projets à côté, et ben j'ai pas le temps de regarder des séries, j'ai pas le temps de consommer en fait du contenu. Je préfère passer du temps à le créer pour vous, et pour la consommation on verra plus tard. Mais ouais, For All Mankind, j'ai regardé quand même la première saison, qui était cool, même si bon, voilà, c'est assez patriotique américain, mais j'ai bien aimé le côté, comment on appelle ça déjà, une anachronie je crois, le fait que bah, on modifie un petit peu l'histoire, où là, bah, pour ceux qui ne connaissent pas la série, For All Mankind, le début de la série, on voit un vaisseau spatial qui se pose sur la Lune dans les années en 1969, et dedans, et ben, ce sont les Russes. Donc ce sont les Russes qui sont les premiers dans cette histoire à se poser à la surface de la Lune, et tout le scénario ensuite part là-dessus avec une exploration lunaire, des bases lunaires, et donc c'est très sympa, et c'est peut-être ce qu'on verra dans les années à venir, en tout cas des bases lunaires, c'est ce qui est prévu. D'ailleurs, on en voit passer à l'écran. La trajectoire de la capsule est-elle entièrement automatique ou peut-elle être modifiée? Eh bien écoute, ça c'est une bonne question. Normalement tout est automatisé. Maintenant, la Lune étant à proximité de la Terre, on a tout à fait la possibilité de contrôler nous-mêmes, d'apporter des modifications au code de la capsule pour pouvoir modifier sa trajectoire si nécessaire. Maintenant, ça ne devrait pas être prévu. Donc oui, on a cette possibilité. Moi je rigolerai pas hein, Pablo, si jamais la fusée explose, parce que bah, ça signifiera qu'il y a un gros problème sur le système et que ben on va repousser d'autant plus d'années le retour sur la Lune. Et bah, c'est quand même dommage, parce qu'avoir la chance de pouvoir assister à un atterrissage sur la Lune dans les années qui viennent, ça va être quand même quelque chose d'incroyable, et j'ai pas envie de repousser ça à trop longtemps non plus. Donc bon, on espère que tout se passe bien. Est-ce qu'une fusée qui décolle peut percuter un Starlink par exemple, ou est-ce que tout est prévu? Très bonne question. C'est une question qui revient souvent. La réponse normalement elle est non. En fait, bah oui, il y a toujours un risque. Enfin, je veux dire, oui, il y a toujours un risque, mais extrêmement minime. Par contre, on a l'avantage sur ces satellites, que ce soit Starlink ou tous les autres satellites d'ailleurs. Hein. Les satellites, on les suit. Ce sont des gros objets, on les suit, donc on sait où ils vont aller, à quel moment ils vont être positionnés à tel ou tel moment. Et donc, on sait si la fusée va décoller
par quel chemin elle devra prendre. Et donc, normalement, on est capable d'éviter le moindre de ces appareils. Et si en plus la trajectoire venait à croiser l'un de ces appareils, on est capable de calculer quand est-ce que ça va se produire et donc de pouvoir corriger une trajectoire de l'un ou de l'autre de ces deux appareils pour pouvoir éviter le choc. C'est ça qui est très bien avec les gros objets, c'est qu'on les repère. Là où c'est plus gênant, c'est quand ces appareils ne sont pas contrôlables. Le Starlink, heureusement, bah lui, il peut modifier sa trajectoire. Par contre, les appareils qui sont morts, les satellites qui n'ont plus de contrôle, ou les débris tout court, hein, eh bien, eux ne sont pas contrôlables. Et donc, bah, effectivement, il n'y a qu'un seul des deux objets, du coup, qui peut modifier sa trajectoire. Et pire encore, ce sont quand on a des tout petits objets qu'on ne repère pas parce qu'ils sont trop petits au radar, eh bien, qui viendraient à croiser la trajectoire de la fusée. Ça, le risque est extrêmement mince, mais il n'est pas nul. Donc ouais, effectivement, on pourrait avoir un jour une catastrophe. Maintenant, heureusement, je vous rassure quand même, l'espace, hein, c'est immense. Et dans toutes les animations que je passe, hein, sur le journal de l'espace, il faut bien prendre en compte qu'il n'y a rien qui est à l'échelle, hein, bien évidemment. C'est là pour illustrer les choses, donc les objets ne sont pas à l'échelle, heureusement. Et donc, l'espace étant immense, il y a très très peu de risques aujourd'hui de taper contre une fusée qui décolle. Alors, je vois qu'il y en a un qui explique ce que c'est que Starlink, donc du coup, peut-être que certains ne savent pas ce que c'est que Starlink. Starlink, c'est... Alors, j'en ai fait une vidéo, justement, sponsorisée par SpaceX la semaine dernière, donc c'était samedi, où j'expliquais en fait ce que c'était que Starlink. C'est quoi Starlink? C'est pour qui? En fait, Starlink, c'est une connexion... Enfin, c'est un réseau de satellites qui permet d'avoir une connexion haut débit à Internet. Voilà, tout simplement, partout dans le monde. Et on a d'autres constellations qui arrivent, hein. Il n'y a pas que Starlink. Aujourd'hui, il n'y a que Starlink qui vraiment propose du haut débit dans le monde, mais après on va avoir OneWeb, on va avoir Guowang qui également est une constellation chinoise qui va arriver avec 13 000 appareils. Donc ça, ce sera plutôt pour 2026, d'après ce que j'ai compris, 2027. Et on a aussi une solution européenne avec beaucoup moins d'appareils quand même, mais qui va voir le jour. Donc bon, les constellations de satellites pour avoir Internet, même si ça fait grincer pas mal dedans, eh bien c'est amené quand même à se développer. Donc dans les années à venir. C'est pas des CubeSats. Alors un CubeSat, c'est vraiment petit, ça fait la taille d'une boîte à chaussures. Là, un Starlink, c'est quand même un petit peu plus grand. Mais ça reste des petits satellites, effectivement. Est-ce que les boosters de ce lancement seront réutilisables? Non. Aucune pièce aujourd'hui de cette fusée ne seront réutilisées ensuite, hormis la capsule Orion, bien sûr, qui pourra retomber sur Terre et qui pourra être réutilisée. Mais le SLS, c'est quand même une technologie qui n'est pas toute jeune. Et le réutilisable n'a pas été prévu pour ce vaisseau. Donc tout va être de l'usage unique sur les réservoirs, sur les moteurs. Tout va être en usage unique ici. En fait, les RS-25, les moteurs, hein, je précise, ils ont déjà été utilisés une fois. Hein, ils ont tous déjà volé à bord de la navette spatiale. Alors Zoradov, non, ça dépend de ton pays. Starlink, le prix varie en fonction de ton pays. En France, c'est bien 50. Est-ce que SpaceX a le droit d'aller sur la Lune sans avertir personne à l'avance? Alors, tout ce qui se passe dans l'espace, aujourd'hui, c'est encore assez peu régulé. Là où il y a une régulation, c'est sur Terre. C'est-à-dire que pour lancer une fusée, il faut avoir une raison. Et là, par contre, ça nécessite des autorisations. Donc, le fait de lancer une fusée, ça devrait être autorisé sur Terre, ça peut être régulé. Donc, SpaceX devra se contraindre, en fait, à une loi, la loi américaine, notamment, vu qu'il tire depuis les États-Unis. Mais par contre, après, une fois dans l'espace, c'est beaucoup plus libre. Si après, ils ont envie d'aller se poser sur la Lune et qu'ils ont eu l'autorisation de décoller pour ça, bah, ils pourraient très bien le faire. Tout à fait. Y a-t-il encore... Ah, ça, c'est une question que j'aime bien. Y a-t-il encore un blackout quand le vaisseau passe derrière la Lune ou alors des satellites servent-ils de relais? Bah écoute, ta question, elle est excellente. Un blackout, c'est une perte de communication, je précise. Pour avoir une communication, aujourd'hui, il faut avoir une vue directe avec soit les antennes avec lesquelles on communique sur Terre, ou soit après on passe par un réseau de satellites, c'est-à-dire que le satellite fait le relais de communication pour ensuite ramener la communication vers la Terre. Ici, très clairement, on a un réseau de satellites autour de la Lune qui devrait nous permettre d'avoir une communication constante avec le vaisseau. Ce qui n'était pas le cas des missions Apollo, on perdait à un moment donné la communication quand le vaisseau passait derrière la Lune et qu'il était au niveau de la face cachée de la Lune, et la communication était récupérée seulement après. Là, normalement, aujourd'hui, on a déjà des systèmes de satellites qui sont en place. Alors... Ah oui, effectivement, on perd beaucoup de matériel, ça c'est évident, hein, sur le fait que...
sur le fait qu'on ne récupère pas tout ça, c'est du matériel qui est perdu. Mais après, il faut bien aussi se dire une chose, hein, ce matériel, en fait, aujourd'hui, on est capable de récupérer des fusées uniquement sur les parties qui sont capables de résister à la rentrée atmosphérique. Par exemple, si on prend la Falcon 9 de SpaceX, il n'y a que la moitié de la fusée qui est récupérable. La moitié de la fusée, c'est le premier étage. Le premier étage, lui, ne va pas, en fait, sert pour la mise en orbite, mais ne sera pas mis lui-même en orbite. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller à plus de 25 000 km/h, 28 000 km/h. Et donc, quand on va voir cette fusée, quand elle va vouloir rentrer sur Terre, elle ne va pas aller suffisamment vite pour trop s'échauffer et on va être capable de la ramener et de la réutiliser. Par contre, le deuxième étage de la Falcon 9, lui, il sert pour la mise en orbite. Il tourne donc extrêmement rapidement ensuite autour de la Terre, à 28 000 km/h, à plus de 28 000 km/h parfois. Et on va donc, lorsque la fusée va rentrer dans l'atmosphère, à un moment donné, eh ben, elle va tout simplement s'échauffer. Elle n'est pas prévue pour retourner sur Terre. Elle va brûler dans l'atmosphère, tout simplement, à cause de sa vitesse. Et donc, on ne la réutilise pas. Les seules choses qu'on envoie en orbite, que l'on va ensuite pouvoir réutiliser, même si elle rentre à des vitesses folles, bah ce sont les capsules, ce sont les cargos qui ont été prévus pour ça avec un matériau isolant. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on parle du Starship dans les émissions du mercredi, eh ben on parle beaucoup des tuiles thermiques. Ces tuiles thermiques, elles sont là justement pour encaisser la rentrée atmosphérique avec un produit qui va petit à petit se consommer, qui va diminuer de taille, mais qui va permettre de résister à cette température, cette montée en température à cause de la ionisation de l'air. Et qui va nous permettre du coup de ralentir suffisamment pour rentrer sur Terre. Les matériaux de la fusée sont-ils recyclables ? Bah écoute, c'est comme tout, t'as du métal, le métal c'est recyclable. Par contre, bah, le problème c'est que comme je le disais, ça va pas être forcément récupéré. On va peut-être pouvoir récupérer les réservoirs qui vont retomber dans l'océan, mais on va pas les réutiliser tels quels. On va surtout les récupérer, je pense, pour pouvoir les analyser un petit peu les chocs, les conditions qu'ils ont subies, mais on va jamais le réutiliser tel quel, surtout que ça aura fait en plus un bain dans l'eau, dans l'océan. Et donc, du coup, bah, forcément, le sel, le métal, on va dire qu'il n'aime pas trop ça. Donc, le métal peut être recyclable, oui. Par contre, après, dedans, bah, on a des plastiques ou autres qui, à mon avis, ne seront tout simplement pas réutilisés. As-tu un avis sur le développement en solitaire des Chinois avec leur nouvelle station spatiale ? Alors ça, c'est une bonne question. Merci, Danny. Bien évidemment que j'ai un avis et je trouve ça absolument génial. Peu importe le pays qui lance des activités dans l'espace, tant qu'elles sont pacifiques, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Chine, bah, je trouve ça absolument top. La Chine, il faut savoir que les Américains avaient refusé qu'ils participent au programme ISS par peur à l'époque. La Chine avait du retard dans son programme spatial. Donc les Américains ne voulaient pas non plus que la Chine rattrape trop vite son retard par rapport à eux, par rapport aux autres pays. Et donc la Chine n'avait pas de station spatiale. Donc bah, la Chine a dû faire de toute façon par la force des choses cavalier seul. Et c'est juste top aujourd'hui que la Chine ait sa propre station spatiale. Faut pas oublier quand même que la Chine, c'est plus d'un milliard d'habitants. C'est autant que les États-Unis, l'Europe et le Japon, le Canada ensemble, enfin c'est même plus. Donc c'est logique aussi que la Chine ait sa propre station spatiale pour pouvoir continuer ses expériences. Donc je suis vachement positif là-dessus, ça nous fait en plus pas mal d'actu, et je suis admiratif devant ce pays qui a créé une station spatiale, bon, bien plus petite que l'ISS, on est d'accord, la taille de leur station spatiale, de la CSS, elle est similaire à celle de l'ancienne station Mir. Mais c'est quand même dingue d'avoir réussi à assembler 3 modules en moins de 2 ans, en 19 mois. Donc c'est un grand bravo à la Chine qui en ce moment... Enfin moi j'adore l'actualité spatiale chinoise en ce moment, elle est top, parce que ils sont sur tous les fronts. Ils sont sur la Lune, ils sont sur Mars avec leur rover, là c'est juste incroyable. Ils sont dans l'espace avec leur Taïkonaut, ils ont une station spatiale, ils ont des missions d'exploration, d'exploration du système solaire. Enfin c'est... La Chine n'arrête pas, elle est partout et c'est juste incroyable. Et même... Je pense même qu'à un moment donné, les Américains ne seront plus les leaders de la conquête spatiale. Pour moi, ce sera la Chine si elle continue à ce rythme-là. La Chine risque de passer devant les Américains. Et on a beau dire, hein, le programme SLS, le programme Artemis, pardon, qui est censé se poser sur la Lune, les Américains sont censés être les premiers à se poser sur la Lune. Mais si ça prend du retard, si imaginons, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, la fusée explose aujourd'hui, eh ben on va perdre pas mal d'années. Et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, on voit même la Chine qui puisse peut-être se poser avant les Américains. Et là, ce sera un sacré boom dans le monde du spatial si on a ce genre de choses.
Donc bon, on va voir. Effectivement, comme le dit Jarvis, les Chinois vont dépasser tout le monde. Bah ouais, je crois aussi qu'un jour la Chine va prendre le lead sur la conquête spatiale, alors que pour l'instant, elle a toujours été en retard. Hein. C'est juste incroyable. Est-ce que je pense qu'il y aura des stations privées, comme demande Albin? Bah ouais, c'est le projet. De toute façon, on a Axiom Space qui est en train de créer ses premiers modules là pour la station spatiale Axiom One, qui va d'abord normalement être créé en se fixant à la station spatiale internationale, pour ensuite, une fois que les modules seront assemblés et qu'ils seront autonomes, eh bien se séparer et faire une station spatiale privée. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de faire une station spatiale privée? Eh bien, c'est purement commercial, hein. Bien évidemment, c'est une station sur laquelle on pourra louer des places pour faire venir des scientifiques et réaliser des expériences. Parce qu'une fois qu'on n'aura plus l'ISS, eh bien nous, en Europe, aux États-Unis, on n'aura plus de station spatiale, et donc on va passer pour ça par le privé, pour pouvoir continuer de faire nos expériences. Bon, je sais que vous avez énormément de questions, je suis désolé, hein, je prends même pas un dixième de toutes vos questions, tellement vous êtes nombreux, donc je suis désolé pour ça, mais ça me fait vraiment très très plaisir de vous voir tous aussi nombreux. Est-ce que je ne trouve pas triste de voir la fin des collaborations internationales en orbite, notamment par la fin de l'ISS dans moins de 10 ans? Alors l'ISS, c'est vrai que c'est un sacré symbole. Quand ça a démarré en l'an 2000, ça a été la première fois où on avait une... Enfin, c'est pas la première fois, mais ça a été quand même une fois assez marquante. On a eu une collaboration entre la Russie et les États-Unis et l'Europe. Enfin, je trouve ça... C'est juste top d'avoir autant de pays qui se sont mis ensemble pour créer une station spatiale. Je le rappelle, la station spatiale, donc c'est Russie et États-Unis principalement, mais aussi l'Europe, le Canada, le Japon, et je pense n'avoir oublié personne. Ouais, je pense que c'est bon. Donc c'est vraiment un projet incroyable de communion, de coopération internationale. Donc ouais, bien sûr que je trouve ça triste que cette collaboration se stoppe une fois enfin, qui va se stopper en tout cas une fois que la station sera abandonnée. Elle sera abandonnée, elle sera désorbitée pour retomber sur Terre et éviter de retomber sur nos têtes comme c'est le cas pour l'instant avec les lanceurs chinois. Alors, bon, pour l'instant, on ne voit toujours pas le compte à rebours redémarrer. Donc, bah, écoutez, on croise les doigts pour que ce soit le cas. Je continue de voir un petit peu vos commentaires. Est-ce que la réutilisation de fusées ou de vaisseaux va se généraliser selon toi? Bah, oui, de toute façon, on l'a vu, hein, SpaceX, au début, quand il a créé sa première fusée réutilisable, enfin son premier booster réutilisable, a été très critiqué. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que c'est en train de devenir la norme. Pourquoi la norme? Eh bien, apparemment, ça doit être pour des raisons financières. Donc, on n'a pas encore les chiffres, hein, là-dessus. On ne sait pas encore si effectivement c'est vraiment rentable ou pas de faire des fusées qui sont réutilisables. Mais après, ça semblerait logique. Imaginez que vous veniez à créer une voiture simplement pour chacun de vos trajets pour aller en vacances, par exemple. Eh bien, ça vous coûterait cher quand même des vacances. Donc, j'ose imaginer, j'ose espérer que ce soit rentable ou que ça le devienne de réutiliser les fusées. Artemis 2 est-il déjà construit? Non, pas entièrement. On a la capsule, je crois, qui est construite ou qui est pratiquement terminée. Mais après, non, bah, le reste, c'est des réservoirs à construire. C'est pas ce qui prend le plus de temps de construire une fusée. Le tout, le plus long, c'est vraiment le développement de ces appareils et le fait aussi de tout mettre ensemble et de faire des tests. Vous avez vu le fameux Red Dress Rehearsal, ça fait quasiment un an qu'on en parle, hein, aujourd'hui. C'est un test complet de tous les étages de la fusée ensemble avec des comptes à rebours. Et tout ça prend énormément de temps, surtout quand on a des problèmes, comme ça a été le cas avec le SLS. Des rovers sont-ils prévus pour le programme Artemis? Alors, le programme Artemis en soi ne va pas amener de rovers à la surface de notre satellite, il va y amener des hommes, ça c'est top. Par contre, il y aura des rovers qui vont être prévus en parallèle en fait de ces missions Artemis. On a notamment un rover dont j'ai perdu le nom qui va servir à forer. Pour aller rechercher de l'eau lunaire, de la glace lunaire, j'ai plus le nom. Viper, voilà. Je cherchais le nom du robot. Viper. Ah, attendez, on a un compte à rebours qui redémarre. Je vais me bouger, mais là je vois à l'écran le compte à rebours qui redémarre. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Compte à rebours 9:39. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, on relance le compte à rebours, ça va être ouf. Ça va être dingue. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, en tout cas, là, on va continuer. On a encore quelques minutes, hein, pour discuter. Je couperai mon son, hein, pour le décollage, pour pouvoir profiter de ça ensemble. Mais donc, j'arrêterai de parler à ce moment-là. Mais oh, ça va être génial.
Effectivement, on a eu le go du directeur de vol. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Oh, pourvu que ça se fasse. Pourvu que ça se fasse. La plus puissante fusée du monde, c'est juste incroyable. Là, on est. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est juste dingue. J'ai pas eu la chance, et je pense que comme pas mal d'entre vous aussi, j'ai pas eu la chance de vivre les missions Apollo. Là, on va revivre ça aujourd'hui pour les missions Artemis. Ça va être incroyable, ça va être incroyable. On va à nouveau poser des hommes et des femmes à la surface de la Lune. C'est juste dingue. Bon, pour ceux qui s'enflamment, attention, c'est pas aujourd'hui qu'on va se poser sur la Lune. Hein. Là, pour l'instant, c'est une mission à vide. Et ça va être quand même juste incroyable de voir ça, de pouvoir participer à cette aventure humaine incroyable. Artemis One, go for launch. Oui, Jacques, c'est effectivement le cas. Un Africain peut-il avoir la chance de participer un jour à une mission dans l'ISS? Eh bien, c'est possible. Simplement, en fait, aujourd'hui, quand on fait participer d'autres États, par exemple, on a eu les Émirats Arabes Unis qui sont venus sur l'ISS à deux reprises, si je ne dis pas de bêtises, ou alors une fois sur Mir et une fois sur l'ISS, je ne sais plus. Eh bien, c'est aussi parce que, ils viennent contribuer à ce programme, c'est-à-dire ils viennent apporter des technologies, ils viennent participer financièrement à des missions. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est un échange de bons procédés, en fait. Nous, par exemple, Européens, si on participe aujourd'hui aussi à l'ISS, c'est parce qu'on y a apporté des technologies. On y a apporté aussi notre cargo à l'époque. J'ai plus le nom du cargo en tête, mais on a fait des missions de ravitaillement avec un cargo. Et par exemple, pour le programme Artemis, c'est la même chose. On participe aussi au programme Artemis parce qu'on ramène des financements et de la technologie sur ce programme. Et d'ailleurs, notamment, l'ESA, elle participe comment on appelle ça? Le module qui est sous Orion, le module. J'ai plus le nom en tête, oh, je suis fatigué ce matin. Ça promet pour la journée. Mais c'est le module européen, comme on l'appelle, qui gère en fait le contrôle de cette capsule Orion une fois qu'elle sera autour de la Lune. Donc en fait, c'est parce qu'on amène ces technologies que l'on participe à ces programmes. Et donc, si à un moment donné, un pays d'Afrique veut participer à ces programmes, eh bien, il faut aussi qu'il ramène du financement ou des technologies pour ce programme. La fusée décolle dans 7 minutes. Ouais, c'est dingue. Le compte à rebours avance très très vite. Ça va être quelque chose d'incroyable. Est-ce que là pour l'instant, je crois que j'ai mis le son pas trop fort au niveau du lancement. Donc vous me dites si c'est. Je pense que je vais monter le son hein, de toute façon du direct de la NASA à ce moment-là. Mais ça va être quelque chose de dingue. Alors je vérifie un petit peu ce que je vais faire. Je vais peut-être même pouvoir monter le son directement de mon PC. Je vais mettre mes écouteurs pour pouvoir profiter moi aussi du live parce que pour l'instant, moi je suis sans aucun son. J'espère que vous m'entendez toujours très bien. Je viens de brancher mon casque. Ça a l'air d'être bon. Et je vais modifier du coup le son du live. Je vais démarrer un live derrière. Voilà. Hop. Je fais quelques petites manipulations le temps que ça arrive. Et comme je suis un homme et que je ne sais pas faire deux choses en même temps, je me concentre d'abord sur ça. Je vais vérifier quand même que vous m'entendez toujours bien. Hop. Ouais, ça a l'air d'aller. Oui, bien sûr, il y a un retard hein, par rapport au site de la NASA, c'est normal. Je récupère le stream pour ensuite vous le rediffuser, donc ça fait un aller-retour et forcément il y a ce qu'on appelle un décalage, un gros lag. C'est normal, pas d'inquiétude. Monte le son du live, je vais le faire après dans 5 minutes, dans un peu moins de 5 minutes pour le décollage. Ça va être fou. Ça va être fou. Ouais, c'est un casque de gamer, effectivement. C'est un casque que j'avais acheté exprès pour faire des lives, hein, de toute façon. Ta fille s'appelle Artemis? Eh bien, écoute, ils nous ont nommé Artemis, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'Artemis, c'est la jumelle d'Apollon. Apollon, Apollo. Donc forcément, voilà, c'était pour faire un petit clin d'œil aux missions Apollo des années 70. Alors, 4 minutes, 4 minutes. Ça va être génial. Alors, je vais remettre le son ici.
hydraulic pumps that steer the RS-25s. Stands for Core Stage Auxiliary Power Unit Start. Je vais couper le son de votre stream. That now leads to the thrust vector control. Je crois qu'après je peux le laisser, c'est pas gênant en fait. Ouais non, c'est pas gênant, je peux rester comme ça en fait. Vous avez toujours le son, vous, du live que je vous passe. Et moi j'ai le son sur mon PC directement, mais vous ne l'avez pas dans les oreilles vu que j'ai le casque. Donc c'est parfait. Ah ouais, c'est toute une gymnastique hein, le fait de faire des lives aujourd'hui. Si, je suis en direct, vous ne me voyez plus, vous êtes toujours là? Bah si. Eh oui, go, le programme qui a 3 ans de retard, ouais. À vrai dire, ce programme, il a même beaucoup plus de retard que ça, vu qu'à la base, c'était, il est issu du programme Constellation. Ouais, effectivement, Amazing Axiom Space, les parties seront revendues à Axiom Space derrière. Donc ça c'était pour la station spatiale de tout à l'heure. Non non, le rendez-vous lundi à 22h45, tu t'inquiètes pas, c'est moi qui ai fait une erreur, c'est que j'avais laissé ça en live, c'est que j'avais laissé ça à l'époque pour le précédent live. Mais je vous rassure, c'est juste une erreur de ma part. Le décollage c'est bien dans quelques minutes, 2 minutes 40, on y est. Allez, je vais vous faire profiter de ça. Je vais monter un petit peu le son du chat, du stream. Je vais baisser. Moi, je vais disparaître. Et vous me dites, hein, surtout dans le chat, si jamais vous voulez que je modifie un petit peu le volume de son du live. Et oui, Bastien, s'il te plaît, tu peux retirer le message que j'ai mis. C'est une erreur de ma part. Bah, moi non plus, Hugo, je regrette pas que tu sois abonné depuis 3 ans. Ouais, je monte le son de mon live là. Vous devriez l'avoir entendu. Là, le live est monté. Vous me dites si c'est trop fort ou pas. Allez, je me tais. On est à moins 2 minutes. Et on va vivre ça ensemble. Ça va être incroyable. Soyez prêts. Là, c'est juste dingue ce qui arrive. C'est juste dingue. Remets ta cam. Non, je vais vous laisser profiter de ça, ça va être juste dingue. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout petit. Hop là. Monte un peu le volume encore. Allez, je monte le volume, ça vous va? Allez, montez le son, les amis, ça va être dingue. A note now, shortly after liftoff. 1 minute. Shortly after liftoff, Mission Control Houston will take control of the rocket, and my colleague, Leah Cheshire, will take over commentary. Bon, le son a l'air d'être bon, donc c'est cool. 50 secondes. The GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer on board the rocket. Ah, je vous avoue, c'est vachement excitant, hein. Take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming from the ground up until T-minus 2 seconds. GLS, go for ALS. And we are go for ALS. The space launch system attachez vos ceintures, is comme now je disais au début counting du live. Down to lift attachez off of Orion ceintures. On its maiden voyage to the moon. Launch team can 20. No longer recycle the count. Oh, regardez-moi la taille de ce sound truc. Sound suppressor water now flowing 15. Under the ML. And here enfin, we go. Parti. 10. Hydrogen burn off igniters initiated. 7, 6, 5, 4 stage engine start. 3, 2, c'est parti. 1, boosters in ignition. Oh, pure, and liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. All 4 RS-25 engines on the core stage and 2 solid rocket boosters now propelling the vehicle at 128 miles per hour. Donc là, les deux boosters sont en pleine puissance. Hearing good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1.
first milestone will be for the vehicle to pass through max Q at about 1 minute and 9 seconds into launch. This is the greatest period of atmospheric force on the rocket. Là, elle explique que c'est le moment où on a les forces au niveau de l'atmosphère qui sont très fortes, hein, quand même, vu que bah, l'atmosphère est encore très dense à cette altitude, et donc du coup qui exerce une force assez importante sur le vaisseau. 607 miles per hour. Vous vous rendez compte que c'est la fusée la plus puissante du monde aujourd'hui là qu'on est en train de regarder? La fusée la plus puissante du monde en activité. On est à puissance maximale sur les boosters. The next major milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison at about 2 minutes and 11 seconds into the flight, so about 30 seconds from now. En 30 secondes, apparemment, on coupe les boosters, d'après ce que j'ai compris. Again, Mission Control Houston, as teams continue monitoring the flight of Artemis 1. We're now 16 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center, traveling over 2,800 miles per hour. Non, c'est bien réel. Regardez un petit peu la flamme de la fusée, comment elle se propage sur le côté. Ça y est, les boosters se séparent. Incroyable. Deux énormes boosters sont en train de se séparer. Now the core stage et là, ils vont retomber sur Terre, ceux-là, au niveau de l'océan. RS-25 engines firing, traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. C'est génial. 2 minutes and 36 seconds into the flight. Je sais pas si vous vous rendez compte, on est vraiment sur un événement historique là. C'est un truc de malade. We've still got four good engines on the core stage. Next up, we'll be looking for the service module fairing to separate. This is three 15 by 15 foot fairing panels, providing structural support, protecting the service module. Those will separate at about 3 minutes and 11 seconds into flight, dit, and very shortly thereafter will be followed by the launch abort system separation. C'est dommage qu'on n'ait pas de caméra embarquée et aussi de télémétrie. La télémétrie, comme le fait bien SpaceX pendant ce live, c'est vraiment appréciable. Just over 3 minutes into the flight of Artemis 1, now traveling over 4,060 miles per hour, 83 miles downrange. Peut-être ce dernier mois d'ailleurs, je vais peut-être me... We just had confirmation that non, the service module fairing has separated. And that the launch abort system pyros have fired, separating those from Orion as well. On a lancé Artemis 1. Ah, petit souci sur le son du live. Je pense que vous avez le même son que moi, petit souci sur le live. Ah, ça y est. We just heard the call for three engine press, meaning if SLS were to lose an engine at this point in the mission, we could still achieve a nominal mission. We would just have genre an extended un main engine cutoff time. However, we still have four live, good engines, all at maximum thrust right now, powering the first flight of Artemis at 5,200 miles per hour. Allez, je redescends. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais bon, en tout cas, apparemment, tout a l'air de se dérouler correctement. On est, bah voilà, on vient de voir le timer, là, 4 minutes 16 de vol. Donc tout se passe bien. Pour ça, c'est une animation. Ce n'est pas, bien évidemment, une image réelle. Allez, je rebaisse encore un petit peu le son. Je veux aussi baisser le son dans mes oreilles. Hop, baisse un peu le son général. Bon, c'est top, ça a eu lieu aujourd'hui. Ça valait le coup de se lever tôt, les amis, ça valait vraiment le coup de se lever tôt. Et ça fait plaisir de voir que vous êtes plus de 2000 connectés. Je trouve ça top pour un de mes premiers lives, parce que bah, voilà, j'en fais un tous les 6 mois, c'est pas tous les 4 matins que le Journal de l'Espace est en live aujourd'hui. C'est un exercice, hein, je précise également, c'est un exercice que j'aimerais reproduire plusieurs fois dans l'année. Pour les gros événements et puis peut-être après pour d'autres projets que j'ai derrière. Donc bah voilà, ça fait office d'entraînement en même temps. Et c'est génial de pouvoir vivre tout ça ensemble avec autant de monde. Donc bah, merci à tous. Et d'ailleurs, j'oublie, mais pensez au pouce bleu, hein, surtout. Ça, c'est... Vous savez que c'est hyper important, les... c'est vrai que je le répète souvent, mais c'est hyper important, hein, pour que le Journal de l'Espace puisse gagner en visibilité. On compte sur vous.
space shuttles to orbit, and now with upgraded capabilities, they're launching the future of human spaceflight. Sébastien qui nous dit « Super, ma fille veut aller au centre aéré en fusée maintenant. » Eh ben, il va falloir que tu sortes un sacré budget. Hein. J'espère que le centre aéré n'est pas non plus juste à côté parce que ça va te coûter cher. C'est génial. Bon, on a pu... Bon, écoutez, là, je suis un petit peu bouche bée quand même de ce qu'on vient de voir. C'est... La SLS a enfin décollé, malgré tous les problèmes qu'elle a eu, malgré tous les problèmes de fuite d'hydrogène qu'elle a eu, les problèmes de compte à rebours, les problèmes électroniques, enfin bref, tout ça, ça semble s'être résolu, et on a pu lancer, aujourd'hui on a pu assister ensemble au lancement de la fusée SLS pour la mission Artemis 1, Artemis 1 qui est vide, je le précise, elle n'est pas habitée, et elle va faire le tour de la Lune pour vérifier que tous les systèmes fonctionnent, vérifier également... réaliser quelques expériences hein, dans l'espace pendant le chemin et préparer la mission Artemis 2 qui sera très similaire à Artemis 1 mais cette fois-ci habitée. Donc on va à nouveau envoyer des hommes on va envoyer à nouveau des hommes et des femmes au point le plus loin que l'humanité s'est déjà rendue. Il faut savoir que l'humanité n'est jamais allée plus loin que derrière la Lune pour l'instant. Donc c'est à peu près à 400 000 km de notre planète. On s'est jamais rendu avec une mission habitée plus loin que 400 000 km. Et donc, dans quelques années, on aura le droit à Artemis 2. Quels combustibles ont été utilisés, me demande Stéphane Zohar. Alors, il faut savoir que le combustible solide, je ne sais plus de quoi il est fait, le combustible des boosters, mais c'est un mélange de poudre inflammable qui, une fois qu'il est enflammé, ça ne s'arrête jamais. Et après, le combustible principal de ce gros réservoir orange qu'on voit à l'écran, c'est de l'hydrogène. La NASA a fait le choix d'utiliser l'hydrogène pour ses fusées, donc ça, c'est le carburant. Et on a le comburant qui reste l'oxygène. Il faut savoir que sur Terre, quand on fait brûler une allumette, vous avez juste... Le combustible, c'est le bois de l'allumette. Et l'oxygène, en fait, c'est le comburant, mais l'oxygène, il est présent dans l'air. Par contre, dans l'espace, vous le savez, il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Et donc, il faut l'emporter avec vous dans la fusée. Et donc, dans ce gros réservoir orange, vous avez une séparation entre, d'un côté, l'hydrogène liquide et, de l'autre côté, l'oxygène liquide. On dit qu'il est liquide parce que ça prend moins de place. Hein. C'est cryogénisé exprès pour garder ça sous forme liquide parce que ça prend moins de place qu'un gaz. Et donc, on peut en mettre plus dans le réservoir. Donc voilà, le réservoir, c'est de l'hydrogène. Enfin, le SLS tourne à l'hydrogène. Est-ce qu'on peut suivre la fusée en live avec caméra pendant toute la mission? Enfin, attention, là, on n'est pas avec caméra. Alors là, sans transition, on vient d'avoir la séparation du deuxième étage. Donc on vient de larguer le gros réacteur orange, le gros réservoir orange. Et on a aujourd'hui, on l'a devant les yeux, le deuxième étage. Et ouais, comme tu dis, James, effectivement, c'est une journée qui commence bien, qui commence très très bien. Il va y avoir du boulot après parce qu'on va préparer tout ça pour le JDE de vendredi pour vous en reparler un petit peu plus en détail. Est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait moins de problèmes au sol pour les prochaines missions? Bah ça, tu sais, ça, malheureusement, des problèmes, ça peut toujours arriver, Olaf. Et le fait qu'on ait déjà réussi à le faire une fois, on peut espérer quand même qu'il y ait moins de problèmes par la suite, mais c'est pas non plus un gage de... Enfin, on n'est pas certain de ça non plus, quoi. Du Proper Gold dans les boosters, me dit Jarvis. Ah bah Daniel, il a eu la chance à 8 ans de voir les premiers pas sur la Lune en 1969. Ça devait être quelque chose. Et là, écoute Daniel, j'espère qu'on assistera ensemble au premier pas sur la Lune dans quelques années, à la fin de la décennie, je pense. Si on prend les paris, allez, moi je vais dire 2028. 2028 pour le premier pas, enfin pour les nouveaux pas sur la Lune pour le programme Artemis et la mission Artemis 3. En fait, Stanislas, il n'y a pas de caméra embarquée apparemment sur cette mission. En tout cas, on n'en a pas vu à l'écran aujourd'hui. Et tout ce que tu vois là maintenant, vu que la fusée est déjà trop loin pour être suivie par caméra depuis le sol, eh bien, ce sont des animations. Hein. Ce sont des animations pour que tout le monde puisse bien comprendre les choses.
Quel est mon travail principal? Non, non, je suis pas lié au spatial, Gertrude. Je suis commercial dans la santé. Donc je vais d'ailleurs pas tarder à aller bosser. Là, il est 8h quasiment. Donc c'est parfait. Bon, alors là, la NASA, au niveau du timing, ça a été parfait parce que on a pu faire ce live ensemble. Et puis tout a l'air de bien se passer, donc c'est top. On va pouvoir partir tranquille, aller bosser, aller travailler. Et on verra un petit peu les news ce soir, si tout s'est passé correctement. Et surtout, bah, moi, je vous invite déjà ce soir pour le journal de la Starbase, ça c'est évident. Et après, on en reparle vendredi de ce lancement dans le journal de l'espace. C'est vraiment cool. Et ça me fait vraiment super plaisir. Hein. Vous étiez plus de 200 sur ce live, plus de 2000 pardon, sur ce live tout à l'heure. C'est impressionnant. Donc là, je vois que les gens sont petit à petit en train de partir. Je pense que vous allez tous bosser ou vous allez tous en cours. Donc courage à tous. Ça me fait vraiment très plaisir que vous soyez venus. La mission de ce jour est prévue pour quoi? Une station orbitale? Alors, Dams qui débarque. Eh bien écoute, aujourd'hui on a assisté au premier lancement d'Artemis, l'Artemis 1, qui envoie une capsule vide, non habitée, autour de la Lune pour s'assurer que tout fonctionne et réalise des premiers tests pour préparer ensuite la suite, Artemis 2, où cette fois-ci on va envoyer des hommes autour de la Lune. Ouais, c'était historique, Hakem, t'as raison, c'était historique. Là, vraiment, ça, maintenant on va réfléchir un petit peu à ce qui vient de se passer, mais c'est quand même dingue, là on vient d'avoir un lancement de la plus grosse fusée du monde actuellement en service. Et un lancement réussi, apparemment, et surtout un lancement qui nous amène encore un petit peu plus proche à nouveau de se reposer sur la Lune, à nouveau marcher sur la Lune. Donc c'est un truc de dingue, c'est une mission historique, et ouais, je suis absolument ravi d'avoir partagé ça avec vous, c'est vraiment incroyable. Allez, bon bah écoutez les amis, il est 8h, j'avais dit justement qu'à 8h je devais aller travailler, donc bah, c'est ce que je vais aller faire. Je vous dis un énorme merci, un très très grand merci d'être venu sur le live du Journal de l'Espace. C'est pas tous les jours qu'on en fait un. Voilà, regardez, eux derrière, là, ils sont en train de se prendre dans les bras pour se féliciter de cette mission réussie. Donc bravo à tout le monde, bravo à la NASA pour cette mission et merci à tous d'avoir été là. Je vous dis à ce soir pour le Journal de la Starbase. On parle du tir statique aussi du Starship parce que lui aussi, le Starship, il avance là en ce moment. Donc ne ratez pas ça et je vous dis bah, à tout à l'heure. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao les terriens. Et n'oubliez pas le pouce, il a raison. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est important, je compte sur vous. Ciao, ciao.